Salut, c'est Noé Préchoff dans Basique. Une chanson qui dirait l'entrée, la sortie, la rage indélébile et la paix qui sommeille. Le bruxellois Noé Préchoff revient avec un deuxième album, dans lequel il raconte sa jeunesse, ses racines, ses amours, mais aussi le monde, la montée de l'extrême droite ou la guerre en Ukraine. Chez Noé, écrire est une nécessité. Pour moi, c'est l'urgence qui crée le désir de chanter. En fait, il y a une vraie question de désir chez moi, et même si je suis fait d'une certaine noirceur et de beaucoup de ténèbres, il y a quand même ce désir de lumière et ce besoin de dire, que ce soit d'ordre juste personnel ou politique, mais de toute façon, tout ça s'entremêle. Éplucher les journaux et contempler l'orage. Noé renouvelle avec talent l'art de la chanson engagée. Normal pour celui qui a été biberonné par Ferré, Brassens, Sylvestre, Renaud et tant d'autres. C'est vraiment les chansons qui ont fait mon éducation. Quand j'étais enfant et que tout d'un coup je découvre Higelin, que je découvre Lavilliers, c'est aussi un rapport au monde, un rapport aux autres, puis des questions politiques très vite, quoi. Et donc tout ça a aiguillé et a fait ma conscience politique. Enfin, en quoi la chanson est pour lui l'écran idéal pour raconter l'intime et le monde? Ce que je trouve incroyable avec la chanson, c'est à quel point ça circule facilement, quoi. C'est-à-dire, si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, si tu veux dire quelque chose au monde, si tu veux te dire quelque chose à toi, en quelques minutes, tu peux y parvenir. Ça voyage légèrement. Et donc, quelle que soit la lourdeur des mots que tu utilises, c'est très simple à mettre en place. Foncez sur Préchoff, le nouvel album de Noé. Et allez le voir sur scène. Il est en tournée dans toute la France et passe par la Cigale le 3 avril. Je suis vivant.